Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Ragan, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo tant attendue, la vidéo phare de cette chaîne YouTube. Je pense que je vais concentrer ma chaîne sur ça, je vais faire que ça maintenant. Je pense que c'est le bon flow à avoir. On va chercher Barpo, la conte c'est mort, le putain de Barpo de sa mère la pute. Il veut pas, ils ont peur de moi les Barpo, je suis victime de discrimination de la part des Barpo. Ouais, donc. Ah, attendez, là, j'ai. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Genre, je devrais bien voir. Ouais, c'est bon, nickel. Je savais plus trop où est-ce qu'on s'était arrêté. On avait commencé à faire cette ligne. Parfait. Parfait, parfait, parfait. J'ai les IV qui sont. J'ai la fiche pour noter les IV qu'elle a. On était à 146 IV pour Line. Et donc, du coup, je vous mens pas que là. Je commence à être agacé de chercher Barpo, mais en même temps, il faut que je le fasse. Donc, cette vidéo est en continuité du journal de bord du capitaine. Donc, toujours à peu près cette même émotion d'inacceptation du cosmos infini, quoi. Genre, comme si le cosmos ne voulait pas que je m'épanouisse. Et donc, du coup, à travers ma matraque au Barpo, j'espère me défouler. Du coup, ouais, Barpo. 100% Barpo, Rigueur 100% Barpo. Enfin, 100% Barpo, faudrait déjà qu'on tombe sur 1 pour que ce soit Rigueur 100% Barpo. Du coup, je vous mens pas que là, genre, je commence à manquer d'imagination sur quoi vous raconter, sur quoi vous dire. Je veux dire, c'est dur de rendre intéressant cette traque au Barpo sans avoir le sentiment de tourner en rond. Ok, mais les néons, ils ont ramassé des objets, mes exatons. Peut-être des super bonbons, hein. Allez savoir, hein. Peut-être que j'aurai de la chatasse. Parce que oui, après avoir augmenté les IV max de ce line, on va monter les autres niveau 41. On notera pas les IV, hein, parce que ce ne sera pas des Pokémon prévus pour le grand battle à la zone combat. Bientôt, on fera la zone combat, une fois que j'aurai capturé tous les Pokémon du Pokédex qui me sont possibles à capturer dans la version Émeraude. On ira à la zone combat, on fera des combats stratégiques Pokémon et on kiffera tous ensemble ce flow infini qu'on aura mis l'Obelus niveau 100. On se souviendra de cette traque au Barpo comme si elle avait jamais eu lieu. C'est fou avec comment c'est le temps. C'est ce que je me disais, genre le temps, des fois t'attends 1 heure. Une fois que t'as fini d'attendre les 1 heure, c'est pendant les 1 heure, t'es là en mode oh putain ça fait chier, j'attends 1 heure, oh putain ça fait chier, ça fait 1 heure que j'attends. Et une fois que c'est à ton tour de passer devant le médecin, t'as l'impression que c'était comme si t'avais jamais attendu. Alors, la perception du temps de l'être humain est particulière. Nous ne sommes que des êtres organiques qui errent dans la galaxie, autour d'une étoile de plasma. Qui tournait autour d'une étoile de plasma, qui tournait autour d'une étoile de plasma. Nous sommes que des sphères qui tournent autour d'autres sphères, qui tournent autour d'autres sphères. C'est dans Game Ball qu'il y a cette blague. On a voulu chercher des réponses dans le ciel. Qu'avons-nous trouvé? Des sphères qui tournent autour des sphères. On a voulu trouver des réponses dans les atomes, dans le microscopique. Qu'avons-nous trouvé? Des sphères qui tournent autour d'autres sphères. Ça me rappelle la discussion que j'avais eue avec un pote, Lucas. Lucas Soulet, je sais pas, je vais pas dire son nom de famille. C'était quoi son blaze? Moi je l'appelais Dante. Il avait fait quelques vidéos YouTube, il s'était cassé le cul. Genre on avait prévu de faire la chaîne YouTube ensemble avant que je fasse la chaîne Rigueur 100% One Piece. Et du coup, genre, il a. Troll Walker, il s'était fait appeler. Et du coup, genre, il me dit, il paranoïe aussi pareil sur des galaxies et sur le microscopique. Genre moi aussi j'ai eu une phase où je me posais des questions quand j'étais très jeune, tu vois, genre quand j'avais 8-9 ans, quand Zaïnebre elle était morte, je me suis remis en question le cosmos infini, tu vois. Mais en réalité, je veux dire, le sens de la vie, c'est celui que tu lui donnes, quoi. C'est important de se battre pour la paix commune. Je sais pas comment vous expliquer, genre. Mais c'est un peu aussi comment dire, démoralisant de se dire que la vie n'a de sens que si tu arrives à lui en donner. Tu vois comment vous expliquer, moi ça me met dans un bad mood en réalité. Et là ça va mieux, chercher le Barpo, ça me détend. En fait je pense que Pokémon tout simplement ça me détend quoi. Je veux dire c'est un jeu simple, efficace.
pas dur, mais à la fois dur. Il a ses subtilités, quoi. Comme son barpo qui n'est présent que sur 6 cases. Mais je me demande quel programmeur a eu cette idée, hein, putain. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde a dû l'applaudir quand il a eu cette idée. Mais heureusement que c'est Barpo, hein. Heureusement que c'est pas genre Carvana, quoi. Ça aurait été Carvana, ça aurait été dommage. Carvana, il a la classe. Mais je sais pas si on dit Carvana ou Carvana. Je sais pas. Le mystère ne sera jamais trouble. Je sais pas c'est quoi le mot. C'est un mystère éternel. Faut engager Sherlock Holmes. En ce moment, je regarde Epic Rap Battle of History. Bon, des fois, ça parle de figures historiques que je connais pas. Mais ils ont du flow, putain. Mais Pixel War, là, ou je sais pas quoi, là, ils ont recopié Epic Rap Battle of History. Hein. C'est tout ce que savent faire les Français, de toute manière. C'est recopier des Américains. C'est pour ça que moi, j'arrive avec mon jeu buggé. Mais c'est qu'une question d'émulateur. Hein. Je pourrais changer d'émulateur spécialement pour ça, mais j'ai peur après la sauvegarde, elle est pas prise en compte. Déjà que ça m'a fait chier de recommencer mon let's play sur Kingdom Hearts, parce que j'avais déjà pas mal avancé sur téléphone portable sur Kingdom Hearts. D'ailleurs, je vous invite à regarder le let's play, hein, c'est très intéressant. C'est Kingdom Hearts 5.5, c'est Chain of Memories sur GBA. Un jeu unique. Il n'y en a pas deux comme celui-là. Mais en plus de ça, c'est qu'ils sont capricieux, les Carvana. Hein. Il n'y a que eux, ils sont niveau 22, mais c'est la galère pour les pêcher. J'ai souvent le nez qui me gratte quand je fais des vidéos. Mais je crois que j'ai souvent le visage qui me gratte de manière tout court. C'est juste que quand je fais des vidéos, je pars un œil plus sur l'image que je renvoie. Genre sur. Comment dire. Sur l'image que je renvoie, quoi. Sur le paraître. Comme là, je viens de postillonner, ça me fait chier. Ce qui me fait le plus chier, c'est quand, tu sais, le micro, il est pas enregistré ou quoi. C'est ça qui me fait vraiment chier. Et après aussi, en même temps, genre, je sais pas, genre... les jeux vidéo, c'est censé m'aider à me détendre, mais c'est un peu source de stress quand je fais les vidéos, quoi. Surtout quand j'ai quelques haters, je suis très sensible, en réalité, genre. Très, comment dire... susceptible. Surtout depuis 2019, quoi. Depuis que j'ai vécu mes premières manifestations mystiques et premières manifestations des voix, premier pas dans le signal, quoi. 40. Oh, bon, j'en ai des milliers des Carvana. Critique, pas le temps de discuter. Non, ça fait du bien d'enregistrer une vidéo pour la chaîne. Ça faisait là, si on est le 8, on est le 8 février, donc vous l'aurez le 9 février. Si tout se passe bien, demain matin, je la mets en ligne. J'ai pas noté. Je sais que j'ai pas noté. Oh, quoique au pire, c'est pas grave. Hein. J'ai dû avec tout ce que j'ai pas noté. Mais c'est vrai que d'habitude, si j'oublie de noter, je ne note pas. Parce que je ne peux pas dépasser le maximum. Donc je ne perds pas les IV. Mais je sais que j'ai pas noté. J'ai dit coup critique, nanana, j'ai pas noté. J'ai mon amie Nina, la seule Nina, là, qui est introuvable sur Twitch. J'ai cherché sur Twitch, je la trouve pas moi non plus, hein, si vous galérez à la trouver. Elle va faire des vidéos YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous partagerai ça si vous avez envie de voir plus de gaming. Genre, elle va peut-être être plus motivée que moi.
Moi, j'avoue que j'ai pas ma zone de confort. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de faire les vidéos, quoi. Je suis très dans le chaos dans mon esprit. C'est comme si j'avais mon âme était entourée de ténèbres et que je pouvais pas m'en défaire. On a 9, plus 9, donc 155. Ouais, le jeu Pokémon pour enfants, Cyan, mon frère. Pour enfants, Cyan. C'est pour Sangwan qu'il a été pensé, Pokémon Émeraude. Ça t'apprend à lire, ça t'apprend les réflexes, ça t'apprend la stratégie, ça t'apprend à suivre les règles. On a bien 10 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, bien 10. Et on fait ta 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 ta. Ce sera noté pour la fin de la vidéo. Bon, j'espère qu'on va vite le trouver, Barpo, en réalité. Une fois qu'on sera tombé sur la case, tout ce qu'on aura à faire, c'est en capturer plein. Capturer 6, 7, je sais pas, certains nombres. Un mâle et une femelle minimum pour faire des œufs et après, ce sera plus un problème, quoi. On galérera plus pour avoir Barpo. Juste le premier à avoir, c'est galère, quoi. Mais vraiment pas si c'était Pokémon. Comment ça s'appelle Ouais, genre là, la queue de fer, c'est pas très intéressant comme attaque. Des chances qu'elle rate. S'il avait clairvoyance encore, tu vois. Il a raté deux fois ce bâtard. Enfin, cette bâtarde. Là, il devrait plus avoir dedans, là. Genre, il arrive à baisser ma défense spéciale. On va faire bélier, tout simplement. Ça a plus de chances de passer. Zagzag, elle a un objet. Attaque plus. Je rêvais de l'avoir. Je rêvais de l'avoir, attaque plus. C'est un objet utilisé seulement par les speedrunners, attaque plus. Genre. Je connais aucun joueur qui utilise attaque plus. Non, ça va, c'est ma petite séance de chasse au Barpo, quoi. C'est mon petit péché mignon, quoi. Parce que, en fait, le truc, c'est que quoi qu'il arrive, pour avoir Barpo, je vais être obligé de faire ça. Tu vois, genre que je l'enregistre ou que je l'enregistre pas, c'est même pas la question, c'est que je le fasse ou que je le fasse pas. Parce que je pourrais, genre. Je sais pas, en fait c'est juste que, je sais pas, genre c'est un moment de détente, c'est un moment, tu sais, en plus de suspense, c'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu comme attendre les cartes qui sortent au poker, quoi. Est-ce que je vais avoir mon 6 qui va sortir? Je sais pas. On pourrait penser que ça a pas de sens, mais en même temps, genre, qu'est-ce qui a du sens?
Genre, même si je faisais un montage vidéo de toutes les, de tous mes rushs de recherche de Barpo, si j'étais en live sur Twitch, tu vois, genre, je pourrais pas faire de coupage. Je pourrais pas couper. Je pourrais pas couper la recherche. Je crois que j'ai oublié de noter, mais là, franchement, j'ai oublié. Je sais que j'ai enlevé ma main pour faire un truc, mais j'ai oublié quoi. Donc, du coup, on va pas noter. Donc, du coup, genre, c'est en gros, genre, je vous prépare à ce à quoi va ressembler mon Twitch, hein. Des moments de farming comme ça, je pourrais aussi en avoir dans Monster Hunter, genre farmer le miel, ou farmer l'herbe, ou farmer les champis bleus, ou faire plusieurs fois le Rathalos pour avoir tel objet. Bon, Dial, là, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas en forme aujourd'hui. Non, mon Dieu, il fait frénésie, non? Il fonce droit sur nous! Ah bah super Dial. À se demander comment est-ce que j'ai réussi à faire la ligue. Hein. Je me fais mettre en PLS par un Carvana niveau 24. Voilà! Je préfère ça. On les tabasse les Carvana. Pas de respect pour eux, frère. Ils sont sur mon territoire. Ah, des fois j'essaie d'être drôle mais j'y arrive pas. Et ça c'est drôle. Donc au final j'arrive à être drôle. Donc j'arrive à être drôle. Quand j'arrive pas à être drôle ça fait rire. Donc c'est drôle que je n'arrive pas à être drôle. Paradoxe de l'humour. Faut appeler Einstein là pour résoudre l'équation. Ouais, donc maintenant je fais 30 minutes de vidéo parce que je pense pas. Je pense que 1 heure de trinco barpo, tu vois, c'est trop. Moi ça me dérangerait pas, hein. Enfin ça me dérangeait pas de le faire, mais c'est surtout si maintenant, genre, je suis un peu moins connecté. Je trouve moins mon compte dans les vidéos YouTube. Parce que y a pas le retour que j'avais eu au début de ma chaîne One Piece, quoi. Ce côté hypé. Je sais très bien que les abonnés qui sont encore sur cette chaîne-là, c'est des mecs qui. C'est des moussaillants sûrs, tu vois. Mais je sais pas, genre là, on a perdu encore un abonné. Je suis passé de 4714 à 4713 abonnés. Et ça me déprime un peu en réalité, quoi. Ça me fait me dire, oh putain. Donc en fait, genre, j'ai réussi à percer que parce que One Piece, ça plaît, quoi. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Je veux dire, j'ai des abonnés qui ont participé au jeu concours quand j'en faisais, qui étaient là, qui étaient au taquet. J'ai fini par faire ma vidéo sur la chaîne Boken no Rayger. J'ai fait un short pour dire que j'étais de retour sur Rayger Jihades. Et j'ai prévu de finir les let's play que j'ai commencé. C'est juste que là, je sais pas, genre, je me sentais pas en communion avec moi-même. Je sais pas comment vous expliquer, genre. C'est dur d'expliquer des choses aussi abstraites comme ressenti. De mettre des mots sur des émotions que même moi je comprends pas. Il y a un moustique qui harcèle là, il a envie de rentrer dans ma chambre. Je viens de le voir à la fenêtre. On va tester un queue de fer. À l'aise. Non, ça me fait du bien là de jouer. Faut dire ce qui est quand même, c'est assez relaxant. Tu vois, là, par exemple, un youtubeur, il couperait ça au montage, tu vois. Il mettrait que les combats, mais je veux dire,
Rien n'est ludique. Je veux dire, c'est le genre de vidéo, genre tu les regardes en fait vraiment pour voir si je vais réussir à faire des blagues, quoi. Donc c'est ça, il faut que je lise un livre de blagues en fait, et que je passe toute ma journée à vous faire des blagues. Faut que j'apprenne l'humour. Voilà, j'ai enfin la réponse à toutes ces questions que je me posais. Je dois apprendre à être drôle. Tu vois, genre l'inquiété racide, eux, ils feraient que des blagues, genre. Mais tu vois, l'inquiété racide, ils sont pas sous traitement. Moi, j'ai des stimuli de mon cerveau qui sont moins opérationnels. Parce que justement, je suis sous traitement, j'ai moins de dopamine, moins de trucs, quoi. J'ai mes neurotransmetteurs qui sont bridés. On est à 7, enfin là ça fait 17 en tout, mais. Parce que je note 10 sur 10, 10 par 10. En tout cas, c'est une sacrée aventure hein, que je vous offre là. Hein. Elle ne peut être vécue qu'une seule fois dans une vie. Hein. Vous avez de la chance que je vous fasse cette vidéo. Hein. Franchement, vous devriez me remercier, genre. Vous devriez attendre avec impatience que je fasse mon Tipeee. Et me donner 1 million de dollars. 10 millions de dollars. Voilà, Jack, je préfère quand t'es en forme. Avec tes belles formes de Galley King. Qu'est-ce que j'aime tes pointes. Plus 18 en tout. Après, la musique est bien. Le jeu est bien, l'ambiance est bonne. Alors ça m'a fait du bien de faire ce journal de bord du capitaine où je disais un peu ce que j'avais sur le cœur. Genre j'ai trop tendance à intérioriser mes émotions. Là ça m'a fait du bien de faire ce journal de bord du capitaine. Je pense que j'avais un peu un blocage émotif, émotionnel, parce que justement je gardais trop pour moi ce que je pensais vraiment de la galaxie. Mais j'ai une grosse déception de l'humanité là qui m'a frappé. Il fallait même que ça rate au bout d'un moment. C'est qu'il m'enlève des PV quand même, hein. Ça n'est pas moins un, hein. Ça me rappelle que dans Pokémon, dans l'anime, au bout d'un moment, Sacha, il passe je sais pas combien d'épisodes à essayer d'apprendre que de faire à Pikachu. Donc même dans le dessin animé, il y a du farming. On veut dire que ça fait partie 100% du jeu, quoi. Pokémon, c'est pas juste des combats, des combats, des combats. Il y a beaucoup de phases de recherche, beaucoup de phases d'exploration, beaucoup de phases de je sais pas où est-ce qu'il faut aller. C'est maintenant, en 2024, t'as des tutos pour tout, t'as des solutions pour tout. Donc du coup genre c'est plus kiffant, mais c'est comme là, barre pause, jamais de ma vie. Mais quand j'étais gamin, je sais pas comment est-ce que j'étais. Quand j'étais gamin, c'était une superstition. J'avais une superstition concernant Pokémon. C'est que j'étais convaincu que quand tu faisais de la pêche, le Pokémon que tu cherchais, il était dans une case et pas dans une autre. Mais j'ai rien qui m'avait amené à cette conclusion. Et donc du coup j'ai fini par trouver barre pause. Bah oui, parce que j'avais toutes les cases. En étant convaincu qu'il était dans une case en particulier. Mais j'avais pas lu sur internet, c'était juste une superstition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on est en tout, on est à plus 20. Et là, c'est Marpeau. Non, ça marche pas comme ça. Dommage.
J'avais enregistré une vidéo sur Mario Kart Wii aussi, mais le gameplay il n'a pas été enregistré. Donc je referai la coupe que j'ai fait quand je serai motivé. Il n'y a vraiment pas que là c'est en train de revenir petit à petit, genre. Mais il y a eu un moment où c'était en train de revenir, mais je sais pas, j'étais cassé, mais c'est les médicaments, je vous jure. Je vous jure, moi c'est j'ai. Le truc là, c'est que ce qui m'énerve, c'est que dans mon parcours pathologique, j'ai prouvé que j'étais capable de me stabiliser sans médicaments, comme ils disent. Je l'ai prouvé, mais pas en 2022, 2023, 2024, en 2019. En fait, c'est ma situation qui est source de stress et de colère. Tu vois, j'aimerais bien avoir un vrai lâcher-prise, quoi. Où, genre, je me détends les neurones, je me détends l'esprit, je me détends tout le corps. J'aimerais bien réussir, mais plus le temps passe et plus je suis frustré de ma situation, quoi. Parce que j'étais redescendu, en fait, en 2022, genre. C'est le fait de me mettre en milieu hospitalier qui m'a fait remonter. Donc on comptait aux maladies des gens, c'était des sources de stress et de stimulation, quoi. Mais j'ai fait des bonnes rencontres, hein. Des personnes sympathiques, des personnes respectueuses, des personnes stimulantes. Le signal. Ah là là. En réalité, je pense que croire que le signal est vrai, ça m'aide à accepter ma pathologie. Ça m'aide à me dire non, ce qui m'est arrivé, c'est pas qu'un pétage de durite. C'est pas que deux neurones qui se sont mal connectés, quoi. Ça m'aide à donner du sens à ce qui m'est arrivé. Sans ça, ça n'a pas de sens. Si le signal est faux, ce qui m'est arrivé, ça n'a pas de sens. Ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens. Ce que j'ai dit, ça n'a pas de sens. Mais après, genre, autant dans 1 mois, 2 mois, j'y pense plus. Hein. Je sais pas comment vous expliquer, ça m'avait fait ça en 2019. J'étais complètement focalisé sur le monde de psychique. Et en parlant avec Jan, justement, genre, j'en suis sorti. Et après, ça, j'ai pas eu de manque de ce monde. J'ai réussi à redonner un sens à mes journées, du meaning. J'ai fait mon service civique et j'avais envie de devenir éducateur ou médiateur. En fait, c'est médiateur que je voulais devenir. Être la personne qu'on appelle quand les familles elles ont des disputes. Mais en réalité, je pense pas que j'aurais été bon, genre. Dans la vente, c'est fait pour moi. J'ai ouvert mon magasin sur Internet, je vais vivre à travers Internet. Et moi, ça me saoulera pas de vivre à travers ce putain d'Internet. C'est un peu un truc à la mode de dire, ouais, on est déconnecté, on est en connecté. Ça va, les gars, genre. Ouais. Vous cassez trop la tête, en fait. Ça, la réponse. C'est pas que Internet, ça nous connecte ou ça nous déconnecte, c'est juste vous qui vous cassez trop la tête, quoi. Il y en a, ils sont connectés grâce à Internet, il y en a, ils. Genre moi je sais très bien qu'Internet ça m'a aidé dans ma jeunesse quoi. Surtout après le lycée quoi. Si j'avais pas fait ma chaîne One Piece, tu vois, je sais pas. J'aurais pas regagné confiance en moi parce que ça a été un peu un succès la chaîne One Piece. Donc du coup je me suis dit je peux réaliser des choses. Donc merci à Internet quoi. Ouais, j'ai éternué. Bon, on va dire c'est le dernier. Ouais, ça fera 5-5. Enfin, ça fera 5 tout court, quoi, mais ça fera 5 par 5, quoi. J'ai fait 5 fois chacune des cases que j'ai fait.
On est déjà à 30 minutes de vidéo, c'est passé vite, hein. On s'en rend pas compte comme ça, mais le temps passe vite. J'ai déjà 94 heures de jeu sur ce jeu. Pour 100 Pokémon. Et le 101, ce sera Barpo. Et après, ce sera encore plus compliqué d'avoir Milobelus. Bref, j'ai compté le nombre de points IV qu'on a obtenu pour Line. Donc ça fait plus 25. On est à 146. Donc plus 25, ça fait 6, 7. 171 IV. 171 IV attaque. Avec un Zigzagoon qui vient de crier, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Ryder, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous détendre. Si c'est le cas, les gars, faites-le moi savoir avec un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un like s'il vous plaît. Genre j'ai besoin de reconnaissance et de savoir que ce que je fais ne sert pas à rien. Non, je déconne, hein. Je fais les vidéos parce que ça me fait plaisir de les faire et si ça peut faire plaisir à d'autres personnes en chemin, ça me satisfait. Je suis suffisamment satisfait de savoir que ça a plu à une personne. Pas besoin de plaire à la terre entière, genre, hein. C'est juste que ça fait partie un peu du jeu YouTubeur de chercher le nombre de vues, le nombre de clics et tout ça. Ça fait partie du jeu YouTube. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!